cartes au hasard? Quatre de pique. Qui a des quatre de pique? Moi. Pourquoi vous avez dit ça? Je ne sais pas. C'est ma carte préférée. Vous êtes venu d'un coup comme moi. Ça? Et vous rendez compte du miracle que je risque de vous faire? Le miracle du magicien, ce serait d'avoir dans la poche une carte et que ce soit le 4 de pique. Est-ce qu'il y a d'autres cartes dessus? Mettez votre doigt pour être sûr. Mettez votre doigt dans les autres poches. Vérifiez, non, parce que parfois on dit oui, en fait il a 52 cartes. Il y a trois faux pouces, une connerie. Il y a deux faux pouces. Si je vous montre que là, c'est fou ça, vous me dites 4 de pique comme ça, c'est terrible. Ça me fait penser au début du spectacle quand je dis qu'il y avait des filles entre les individus. Le problème, c'est que si je retourne la carte avec cette carte de pique, ça va énerver tout le monde. Ouais, voilà, je pense en fait, c'est ça. Les gens, en fait, ils vont penser, on se copie votre prénom d'ailleurs, Ludovic. Les gens vont penser qu'on est compères. Et jusqu'à la fin de la conf, il n'y a plus aucun tour qui va les marquer. Parce que si c'est la carte qui est la bonne, ça va vraiment les tuer. Alors, ce que je fais, en général, je vous le dis, pour atténuer l'impact de l'effet, je ne montre pas la carte. Je montre une partie de la carte. Grâce à l'intercesseur. Je laisse un petit coin et puis je garde le reste de la carte en souvenir. C'est ce qui crée le lien entre. Si vous êtes venu voir le spectacle de Dominique Duvivier, il se barre en coulisses. Enfin, il fait un truc comme ça, il laisse la carte comme ça. Et puis il attend jusqu'à ce qu'un mec qui craque. Je vais faire la même chose en hommage à Dominique.